Biocop va proposer deux nouveautés. D'abord, une nouveauté très locale avec l'accueil de la Sommante. Comment ça va marcher et pourquoi la Sommante? C'est ça. Alors, dès le 1er décembre, nous accueillons la Sommante dans nos magasins, dans nos trois magasins, donc de Tarbes et Juillan. La Sommante, donc, c'est une monnaie locale, monnaie complémentaire locale, donc sur les Hautes-Pyrénées. Cette monnaie sera, du coup, elle pourra être directement transformée d'euros en Sommante par le consommateur en magasin. Et elle pourra circuler comme ça librement après, dépenser dans nos magasins, mais aussi chez d'autres prestataires, sur le marché local, chez un maraîcher, à la boulangerie du coin, à Tarbes, enfin voilà. C'est important pour Biocop d'être dans ces valeurs de valorisation de la production locale et de l'argent qui reste sur le territoire. C'est ça, complètement. Depuis toujours, Biocop a une, c'est un des piliers, hein, le local. Biocop œuvre pour le local depuis toujours. Et du coup, là, quand on a eu des sollicitations de la Sommante, eh bien, effectivement, on n'a pas hésité. On les a soutenus à fond parce que effectivement, les Sommantes ne peuvent circuler que dans les Hautes-Pyrénées. Donc, on a déjà cette garantie-là, que c'est de l'argent qui circule et qui circule au niveau local et qui fait vivre l'économie locale. Quoi. Et dans le même esprit, il y a Canopée aussi qui va installer sa boutique en ligne le samedi ici à Biocop. C'est ça. Alors Canopée, qui est une coopérative d'artisans, qui va venir et qui nous file un petit coup de pouce pour ces fêtes parce qu'ils ont été bien embêtés avec les marchés de Noël qui sont tous annulés malheureusement. Donc, boutique en ligne qui s'appelle Canopée eShop. Que vous pouvez trouver sans aucun problème. Et du coup, nous accueillons les artisans, nous, en magasin, tous les samedis de décembre. Ils viendront exposer et en même temps faire un point de retrait pour click and collect sur leur site Canopée Shop. On rappelle les adresses des trois Biocop à Tarbes, enfin sur l'agglomération de Tarbes, du coup. C'est ça, donc 17 Route de Pau à Tarbes, 6 Avenue du Marché Brebant à Tarbes aussi. Et ici, nous sommes au 11 Terre Route de Lourdes à Juillan.